Mon cher Benjamin, dans le cadre de ta formation au métier de bibliothécaire, merveilleux métier que j'ai l'honneur d'exercer depuis plus de 30 ans, je te propose la visite du Saint des Saints. Cette partie immergée de la médiathèque, tel un iceberg sur lequel, tel le Titanic, vient s'échouer le navire de l'ignorance. N'as-tu jamais vu de telles dimensions? Autant de livres sur des kilomètres de rayonnage, des millions d'ouvrages. Il y en a seulement 400 000, j'en ai vu bien plus à l'ABN. À l'ABN? Comme les chocos? T'as fait ton stage à la dispute trimentaise? Non, BN comme Bibliothèque Nationale. Ah, je le savais, bien sûr. Moi aussi, j'ai le sens de l'humour, figure-toi. Tiens, justement, Oui. Quelle est la différence entre Tintin et Milou? Tintin et Milou, la différence. La différence entre Tintin et Milou. Bah Milou, il a pas de chien. Milou, c'est un chien. Il a pas de chien. Bon, allez, on continue. Bon, tu me suis, hein. Tu me suis. Parce que là, tu peux te perdre. Et là, tu peux errer des heures et des heures, voire des jours, sans jamais trouver une issue. Là, c'est très très intéressant. Retiens bien. Là, sur la tranche du livre, il y a la lettre P. C'est le dos, pas la tranche. Oui, d'accord. Bon. Sur le dos du livre, il y a la lettre P. Sais-tu ce que ça signifie? Ça veut dire que le livre, tous ces livres, sont passionnants. Ce ne sont pas plutôt des petits formats? Oui, mais ils sont tous passionnants. Parce que P, passionnant. Là. Pourquoi sur le dos du livre, il y a la lettre M, hein? Pourquoi, monsieur? Parce que ce sont des manuscrits. Ce ne sont pas plutôt des formats moyens. Les manuscrits sont des livres écrits à la main. Mm-hmm. Oui, monsieur, je sais tout. On continue. Allez, viens, suis-moi. Oui, c'est là. Et après, c'est là. Là. Oui, par là. Oh hein, c'est. Alors, maintenant, on y arrive. Voilà. C'est l'escalier, c'est là. Voilà. Tu fais attention, fais attention, la marche, là. On y est presque. Là, et maintenant, voilà. C'est là. Oui, c'est ça. Oui. Et là, Benjamin, sais-tu où nous sommes? Nous sommes près des périodiques morts. Morts pour la gloire de notre médiathèque. Et là, je te prierai, si tu veux bien, d'observer une minute de silence. Je comprends pas trop, là. Mais Benjamin, mais tu ne respectes rien! Mais rien! Mais ça m'étonne pas, vous les jeunes, les jeux vidéo et la bamboche et ceci et cela. Ah ben, suis-moi. Alors là, Benjamin, nous arrivons au fond de cette réserve. Alors ce fond, justement, on l'a appelé fond Casala. Parce que c'est un fond, si tu veux, il n'y a que des livres de pharmacie. Non. C'est un don de M. Jean-François Casala. Il y a des ouvrages d'histoire, des œuvres littéraires, des ouvrages d'art. Benjamin, tu me déçois beaucoup. Tu me déçois énormément. Vas-y. Puisque tu sais tout, puisque tu as fait les grandes écoles, tu vas sortir de cette réserve par tes propres moyens. Vas-y. Incroyable. Aucun respect. De toute façon, je vais laisser tourner un petit peu dans les réserves. Comme Indiana Jones quand il cherche le roman de la rose dans le temple maudit. Bon. Non. Voilà. Incroyable.
Benjamin ? Benjamin ?